André. Bonjour, monsieur Gabriel. Comment allez-vous aujourd'hui? Gabriel. Ça va bien, merci. As-tu préparé les documents pour la rencontre d'aujourd'hui? André. Oui, on a un dossier pour chacun de nos clients. Gabriel. À quelle heure arrive ceci? André. Ils doivent arriver. Ils m'ont appelé il y a 2 minutes. Les voilà. Bonjour, madame, monsieur. Ils sont Marie Constantinescu et Christian Mayor, nos clients. Gabriel, je suis enchantée de vous connaître. Marie, c'est un grand plaisir pour nous. Peut-on commencer? André, oui, bien sûr. Puis-je vous offrir un café? Marie, oui, s'il vous plaît. Nous représentons deux des plus grandes compagnies opérant sur le marché, Coca-Cola et Lidl, et on a besoin de vos études de marché pour un sondage concernant un nouveau produit qu'on voudrait y lancer. Nous voulons savoir quel impact aura celui-ci sur nos possibles consommateurs. C'est pour cela que nous vous avons contacté. Gabriel, vous savez bien qu'on est l'une des entreprises les plus sérieuses en ce qui concerne les études de marché. Donc, on est à votre disposition. Christian, le sondage pour le nouveau produit demande quelques conditions particulières de développement. Je vous explique immédiatement. Le résultat du sondage doit être finalisé dans une semaine et pour cela, on a besoin de 10 000 personnes interviewées, hommes et femmes, âgés entre 18 et 55 ans, du milieu urbain. Croyez-vous que vous puissiez réaliser ce projet? Gabriel. Bien sûr, nos employés travaillent en équipe. De 8 heures du matin à midi, de 14 heures à 20 heures et de 20 heures à minuit, de manière à couvrir tous les intervalles de temps. Tous ceux-ci travailleront à ce projet. On a des ressources humaines suffisantes pour venir à temps. Marie, c'est bien. Je vois que vous êtes préparée à collaborer avec nous. Christian, il y a aussi le côté financier. Notre budget est de 5 000 euros. Cela vous semble-t-il intéressant? Gabriel, c'est assez convenable. Qu'en penses-tu, André? André, je suis entièrement de votre avis. Christian, alors, on signe le contrat et à partir de lundi, vous pouvez démarrer le sondage. On parlera au téléphone pour établir quelques détails supplémentaires. Gabriel, certainement, ce fut un plaisir de vous connaître. Au revoir. Marie, au revoir, monsieur Gabriel. Christian, au revoir.
La cliente. Bonjour, je voudrais une coupe. Êtes-vous disponible maintenant? La coiffeuse. Bonjour, bien sûr, assieds-toi. Tout d'abord, je te peignerai les cheveux parce qu'ils sont longs et se mêlent facilement. Comment veux-tu que je te coupe les cheveux? La cliente. Seulement quelques centimètres, pas trop. Je veux les laisser pousser. La coiffeuse. Très bien. La cliente. Et je voudrais aussi que vous me coupiez une frange, s'il vous plaît. La coiffeuse. Oui, bien sûr. C'est comme tu veux. 20 minutes plus tard. La coiffeuse. Tu es prête. Regarde-toi dans le miroir. La cliente. J'aime bien la coupe. Merci. Je vous dois combien? La coiffeuse. Ça fait 10 euros. La cliente. Au revoir. La coiffeuse. À la prochaine fois. Anne. Bonjour ma chérie. Comment vas-tu? Quel plaisir de te revoir. Laure. Bonjour ma chère tante. Je suis si heureuse que tu aies réussi à arriver à l'occasion de mon mariage qui aura lieu demain. Anne. Dis-moi, t'es-tu bien préparée? Comment les choses ont-elles évolué? Il s'est écoulé beaucoup de temps depuis la dernière fois que nous nous sommes rencontrés. Laure. C'est vrai. Tout premièrement, j'ai fait une réservation pour la salle. C'est un restaurant d'une capacité totale de 80 places. Ensuite, je suis allée au prêtre pour établir la date du mariage religieux et la liste des invités, je l'ai dressée il y a 2 mois lorsque j'ai envoyé aussi les invitations. Anne. Et le mariage civil? Laure. Nous avons fait le mariage civil la semaine passée. Anne. Quels sont les documents dont vous avez eu besoin pour le mariage civil? Laure. Nous avons eu besoin de nos actes de naissance, de 2 témoins et de l'acte de baptême. Anne. J'ai compris. Et pour la lune de miel, où avez-vous pensé d'y aller? Laure. Nous allons une semaine en France, à Paris. Je suis si impatiente. Anne. Et la robe de mariée? Laure. Je n'ai montré à personne ma robe de mariée. Je veux que ce soit une surprise pour tout le monde. J'ai fait 5 essayages pour la robe. Mais, si tu veux, je peux te montrer les souliers de mariée. Anne. Oui, certainement. Et les autres détails? Laure.
La programmation pour la coiffure et le maquillage est prévue à 8h du matin. Et aujourd'hui, à 16h, je dois aller chez la cosméticienne. Anne, quelle fleur as-tu choisie pour le bouquet de mariée? Laure, j'ai choisi des roses blanches. Ce sont mes fleurs préférées. Anne, et quoi d'autre devrais-tu faire? As-tu choisi le menu? Laure, oui, c'est le menu classique. Tout va bien jusqu'ici. Anne, je suis si heureuse pour toi, comme si j'étais la jeune mariée. N'oublions pas le riz. Laure, oui, tu peux t'imaginer dans quel état je me trouve. Je te remercie, ma chère tante, que tu es ici, à côté de moi. Marion. Je suis garçon, j'ai les yeux bleus et les cheveux blonds et je me considère comme maigre parce que je n'ai que 68 kilos pour 1m80 cm de hauteur. J'ai une constitution athlétique. Anne. J'ai les cheveux longs et châtains et les yeux noirs. Je me considère comme normal parce que j'ai 1m70 cm d'hauteur et 58 kilos. Je suis bien dans ma peau. J'ai le nez retroussé. Catherine. J'ai les cheveux courts et roux et les yeux verts. J'ai toujours aimé porter les cheveux courts. Il est vrai que je suis un peu petite. Je mesure 1m58 cm et un peu grosse, ayant 60 kilos. Mais tout le monde m'aime comme je suis et je me sens à l'aise avec moi-même. Ma peau est pâle. Robert. Je suis garçon, j'ai les yeux marrons et les cheveux châtains foncés. Je suis un peu en surpoids, j'ai 95 kilos pour 1m85 cm d'hauteur. Certains me disent que je suis gros et que je dois nécessairement perdre du poids. Radu. J'ai les yeux bleu-vert et les cheveux blonds foncés. Je suis en surpoids parce que je mesure 1m78 cm et j'ai 60 kilos. Je pratique beaucoup de sport et c'est pour cela que je suis si maigre, comme mes amis le disent. Je dirais plutôt que je suis en forme. Qu'en pensez-vous? Anne, dis-moi Catherine, s'il te plaît, quel temps fait-il selon les prévisions météo à la télé? Ai-je besoin de parapluies ou d'autres équipements de protection? Catherine, je ne le crois pas. Le ciel sera clair et un peu nuageux ailleurs. Anne, et les températures? Catherine, les températures minimales
monte doucement et les maximales seront autour de 23 degrés en ville. Anne. Et concernant les précipitations, que disent les prévisions? Catherine. Les précipitations apparaîtront vers midi sous forme d'averses. Anne. Je veux aller à la montagne ces jours-ci. Qu'en penses-tu? Catherine. À la montagne, les températures baissent doucement. Les températures maximales sont de 18 degrés. Le vent est faible et modéré ailleurs. Anne. Alors, où me conseilles-tu d'aller? Catherine. À la mer, puisque les températures seront de 29 degrés. Il fait certainement très beau là-bas, sans précipitation, au moins pour 3 ou 4 jours. Le soleil brille fort. Anne. Merci beaucoup. Alors, j'irai à la mer. André, dis-nous les numéros cardinaux des 1 à 10, s'il te plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo André. Et maintenant, voyons qui s'est compté des 11 à 20. Dis Alice. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bravo Alice. Allons un peu plus loin et rappelons-nous comment sont formés les numéros de 20 à 100. Qui sait nous dire? Dis Michel, s'il te plaît. Les numéros cardinaux de 20 à 100 sont formés tels qu'ils suivent. Les numéros cardinaux de 20 à 100 ont des formes simples 20, 30, 40, 50, 60, 100 et composés soit par addition 22, soit par multiplication 80, soit par addition et multiplication à la fois 81. Les unités ajoutées aux dizaines vont de 1 à 9, sauf avec 60 et 80, où les unités vont de 1 à 19. 73. On met en traite d'union entre les éléments qui sont l'un et l'autre inférieur à 100, sauf s'ils sont joints par « et ». Qui remplace alors le trait d'union. 79 mais 21. La conjonction est s'emploie pour rejoindre en aux dizaines, sauf 81 et dans 71. Je te félicite, Michel. Et pour conclure, récapitulons les numéros ordinaux des 1 à 10. Qui peut nous aider? Oui, Félicie, écoutons. À l'aéroport. Marie. Bonjour, madame. L'employé. Bonjour. Votre passeport et votre ticket d'embarquement, s'il vous plaît. Marie. Les voilà.
l'employé. Voyons, c'est le vol pour Paris. Oh, malheureusement, l'avion a une heure de retard. Marie, ce n'est pas possible. L'employé. Oui, c'est à cause des conditions météo. Mais ne vous inquiétez pas, on peut faire l'enregistrement. Marie, c'est très bien. L'employé. Les bagages, s'il vous plaît. Voyons, vous avez seulement un bagage à main. Marie. Oui, seulement celui-ci. C'est un voyage d'affaires pour une journée. L'employé. Pour le bagage, vous ne devez rien payer. Il est inclus dans le prix du billet. Tout va bien. Voilà votre ticket d'embarquement et votre passeport. Vous pouvez vous rendre à la porte 2. Bon voyage. Marie. Merci. Dans l'avion. L'hôtesse de l'air. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à bord de l'appareil 543 à destination de Paris. Nous vous informons les détails concernant l'équipement de cet appareil. Chaque siège a une ceinture de sécurité qui doit être attachée. Observez comment les ceintures s'attachent, s'ajustent et se détachent. Pour votre sécurité, nous vous prions de maintenir vos ceintures attachées pendant tout le vol lorsque vous êtes assis. En cas d'urgence, gardez vos sièges avec les ceintures attachées. En cas de dépressurisation de la cabine, les masques d'oxygène qui se trouvent au-dessous tomberont automatiquement à votre portée. Placez-les sur votre visage et respirez normalement. En cas d'atterrissage d'urgence, prenez la position de sécurité telle qu'elle apparaît sur les dépliants situés devant votre siège. En cas d'amerrissage, vous trouvez sous vos sièges les gilets de sauvetage. Le gilet doit être enfilé tel que les assistants de vol vous le montrent et gonflé seulement hors de l'avion. Merci de nous avoir accordé votre attention et nous vous souhaitons un très bon voyage. L'hôtesse de l'air. Voulez-vous quelque chose à boire ou à manger, madame? Marie. Oui, un verre d'eau et un sandwich, s'il vous plaît. L'hôtesse de l'air. Voilà. Désirez-vous autre chose? Marie. Non, merci. Après 2 heures. L'hôtesse de l'air. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à Paris. La température est de 15 degrés et le ciel est clair. Merci d'avoir choisi notre compagnie. Je commence la semaine en faisant un plan pour les jours suivants. Nous allons à la mairie au cours de la journée de mardi. Tu iras de nouveau aux achats ce mercredi-ci? Il joue dans une pièce de théâtre ce jeudi-ci.
Vous lavez le linge et nettoyez votre maison le vendredi soir. Elle revient chez le coiffeur samedi matin. Ils vont en excursion au bord de la mer dimanche tout au long de la journée. Jeanne. Salut, je m'appelle Jeanne. Paul. Bonsoir, moi c'est Paul. Jeanne. D'où es-tu? Paul. Je viens de New York. J'ai 21 ans et je suis américain. Et vous? Jeanne. Je suis de Londres. J'ai 35 ans et je suis anglaise. Que fais-tu ici? Paul. J'étudie la médecine. Jeanne. C'est très joli. Je suis ton professeur. Paul. À quelle heure commence le cours? Jeanne. Il commence dans 5 minutes. Paul. Voilà un de mes amis, Marion. Lui aussi est étudiant, mais en médecine. Jeanne. Maintenant, entrons dans la classe pour commencer le cours.